Give my love, give my love. Castro Mosula, pas pour l'argent, il n'y a rien là-bas. Ouais, mais on aime le corps. On aime le corps. On s'est battu avec amour. Pendant que nous étions cachés dans les jupons, nous les sortions, nous les tâches. Nos poches, nous les sous battre. Ouais. Par amour. Conviction. Ouais. Quand tu aimes, c'est comme ça. Tu ne peux pas oublier. Ouais. Quand ceux qui viennent disent, commandant des salons, il y a du peuple de ça, les morts. Il y a du peuple de ça. Mon Dieu, je te bénis, non. Le Dieu, tu es devenu commandant, mais tu es devenu. Tu es devenu, mais tu es. C'est comment, Vijo? Guy anticonformiste, c'est comment, merde qu'on est à la main pour mettre dessus. Voilà, c'est comment ça y est. C'est une bonne fête. Tu t'es gris. Va baiser poupée. Voilà, faut baiser ma jolie poupée. Ça là, poupée jolie là, faut baiser ça. Faut mourir poupée. Et vous, on connaît maintenant. Hein? C'est poupée, vous mourissez. Voilà, faut baiser. Vous mourissez poupée. Vous mourissez poupée, poupée. Les mecs qui n'est bullshipping, nigga. What the fuck? Mon vieux mort. Ouais, je vais vous taper. Je suis fan, je suis fan, je suis fantasmagorique. Ah, c'est les mots de Guy, les faux faux mots là. Les faux gros mots là. Mon vieux mort, je vais vous taper. Je suis fantasmagorique. Guy anticonformiste, c'est fait du travail. On doit montrer qu'on travaille. Viens aller dans les boîtes qui partent, mais tu n'es pas prêt. Alors, mon second qui est venu la main. Moi, c'est pas comme Dre Bonny, hein. Voilà, il y a au moins 50 euros pour payer quelque chose. Il y a au moins 20 euros, avec 70 euros. Je ne suis pas comme Dre Bonny qui se prend 20 euros. En moyenne, 300 euros, il cotise 20 euros. Un maudit, quoi. Hein. Je peux plus dire non, je peux plus dire non. Eh, Scala Destiné, c'est comment? Mon fils. Ouais, comment doit atteindre ce gars? Ouais, tu peux le signer ici. Mais. Le gamin ne correspond pas. Attends, il va le gamin.
le galon ne correspond pas. Voilà. Ça ne correspond pas, le galon. Voilà, ils sont tous les merveilleux. Dans ce cas-là, il disait, voilà, ici en tango, j'en amérique, voilà, et tous les yas, voilà, tous les attributs. Mais le galon, ça là, ce dévu, ça ne correspond pas. En tant que moi, je suis capitaine de gendarmerie. Mais comme le gars, il a planifié son décrochage, il a peint tous les attributs. Son tango, son Roméo, son sac marin, musette, même son peloton, il a peint son peloton. Ouais, lui, c'est un vrai militaire. Nous, quand on a peint, là, on a laissé trier. Mais moi, là, quand il a peint, il a peint son galon. Comment il tient à son galon, il a peint. Il a peint son galon. Voilà. Il a peint son attribut. Pour lui, ouais, il veut même pas qu'un rebelle prenne ça. Voilà. Il veut même pas qu'un rebelle prenne ça. Voilà. Le béret là, ça c'est pour moi. Voilà, il y a pays là ici. Mais le moron, il a peint le glaive aussi. Il n'est pas prêt pour eux. Ah ouais. C'est comment les champions. Voilà, dessin animé toujours votre M serviteur. Voilà, c'est la fin du travail. Donc pourquoi me mettre à marge de la société? Voilà, étant donné que l'être humain par excellence est un être sociable. Voilà, nous on n'est pas là pour vivre en autarcie comme d'autres le font. Ils vivent en autarcie en telle enceinte qu'ils prennent les gamberges pour la réalité. Gamberger, c'est quoi? C'est rêverie imaginaire. Quand tu es confiné dans un endroit que tu ne sors pas, tu deviens fou. La plus grande, ce qu'on fait les prisons aux États-Unis, les prisons de haute sécurité. Tu peux être en prison, mais quand tu es enfermé 24 heures, 23 heures sur 24, mais tu es devenu fou. Tu deviens fou. Donc, les gens qui aboient sur Facebook, c'est pas de leur faute. Voilà. Ils ne sont pas en contact avec les gens comme nous. Nous, on peut se dire matin, ton parti boit bien au 15. Ils ne peuvent pas faire ça. Voilà. Donc, ils sont confinés. Ils n'ont rien à faire, c'est venir faire vidéo, crier. Voilà. Donc, quand ils crient, là, ils prennent leur rêverie imaginaire là pour la réalité. Parce qu'ils n'ont pas de contact humain. Il n'y a aucune vie chez eux. Moi, il y a la vie chez moi. La preuve en est. Il y a poupée ici. Il y a poupée chez moi. C'est qu'il y a la vie ici. Ouais. Il y a poupée chez moi. C'est qu'il y a la, il y a la vraie vie ici. Voilà. Mais eux, il n'y a pas poupée chez eux. Voilà. Donc, c'est ça. Comprenez-les. Donc, c'est la fête du travail. D'aucuns diront, mais tu ne travailles pas et puis tu fais faire du travail. Mais un travail, c'est quoi un travail? On va définir un travail. C'est une activité qui peut ne pas être professionnelle ou professionnelle. Ouais, qui peut être à but lucratif ou non lucratif. Mais vous comprenez le travail, forcément, vous voulez mettre en exergue côté salaire. Non, je peux être courir les jupons. C'est un travail. Mais il a fait de ça mon activité. Voilà, donc, c'est ça. Quand tu travailles, ce n'est pas forcément un truc qui est rémunéré. Voilà, comme ça, j'ai fait une vidéo, c'est mon travail. Voilà, donc si on y fait du travail, il a venu célébrer la fin du travail. Voilà. Les gens m'ont dit non, mais pourquoi? Est-ce que tu travailles? Ça, c'est mon travail. Et puis moi, au contraire, il fait des heures supplémentaires. Parce que là, je ne suis pas payé, mais il fait une vidéo, c'est mon travail. Et si dans l'exercice de mes fonctions, il fait mon travail. Voilà. Ce cas-là, il dit quoi? Il dit l'armée est un tremplin. Il a répondu à qui? C'est comme mon commissaire. Voilà. Tu es un champion. Là, tu es un commissaire. Guizo Badé, Jeanne Takou, Mamadou Diko, Divine Dédé. Voilà, Jeanne Takou, elle a fait une confidence, elle est entrée dans mon inbox, voilà, en disant devant les gens. Jeanne Takou, la femme là, Jeanne Takou, voilà, elle a fait une confidence, elle est rentrée dans mon inbox, elle dit mon petit, en tout cas, je m'excuse. Mais je pensais que j'avais parié sur le cheval gagnant. Mais le cheval gagnant était un loup qui avait porté habit de cheval. Voilà, et toi? Quand on prenait pour un agneau, on t'avait passé pour le loup. En tout cas, je m'excuse. La vie, il y a folle. C'est ça la vie. Voilà, la vie ne finit pas de nous surprendre. Voilà. Et parmi nous encore, il y a les gens qu'on a estimés. Ton pardon, il a accepté. Voilà. Raison pour laquelle, quand ça a commencé, je me suis abstenu de me prononcer. Parce que quand tu te justifies, qui se justifie s'accuse. Raison pour laquelle, j'ai fait un an dans mon petit coin, mais en train de... La guerre se prépare, préparer ma guerre, préparer ce que je devais faire. Il est préparé. Donc j'attendais maintenant une occasion pour sortir. Voilà. Donc comme eux, ils sont là, tous ils font vidéo, ils sont venus, ils sont sortis par effraction. Donc moi, ça m'a permis de sortir. Pourquoi? Parce que je voulais légitimer maintenant mes attaques. Donc ce qui fait que comme c'est légitimé, il peut frapper du jour au lendemain. C'est la guerre, ça continue. C'est sur Facebook. Si ça me prend encore, demain, il fait vidéo pour décortiquer, pour dire, hey,
On dit non, on avait chaté les. Bon, il a parlé. Les gens qui disent non, mais pourquoi quand tu parles toujours d'eux? Mais c'est le combat. Moi, mon travail, mon combat, c'est de dénoncer. Donc, on dénonce. Voilà, quand tu es dans le faux, on a de dénoncer. Même quand tu es dans ton foyer, que tu fais du faux, tu dénonces. Si tu es dans ton foyer, que tu as 6 femmes, et que tu fais quoi ta femme, que mais c'est elle que tu aimes. Moi, je vais te dénoncer, mon frère. Tout ça, c'est une dénonciation. Voilà, parce qu'on est la voix, les sans voix. On n'est pas politicien. Donc, on touche à tout. Voilà. On touche à tout. On touche sur tous les ménages. Dans la même vie privée, on rentre dedans. C'est ça la dénonciation. Pendant que tu es voix, les sans voix. Une femme peut venir te voir pour dire ah, mon mari me trompe. Mon mari me trompe. Il me fait croire que je suis la seule. Ton travail, c'est qu'il me fait subir. Il me prend en tête. Pardon, il faut parler pour moi. Voilà, parce que si moi, il parle, il peut me tuer. Mais ça, c'est bien vrai que c'est une vie privée. Mais moi, j'ai fait ça pour sauver la vie de cette femme. Voilà. Donc, il y a beaucoup de femmes qui viennent nous dire non, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Bon, tout ça, c'est un travail. Voilà. On n'est pas, moi, ce n'est pas politicien, je vous l'ai dit ça. Voilà. Politicien, c'est un métier. Moi, je suis politologue. Voilà. Ça, c'est pas un métier, mais ce n'est pas rémunéré. Voilà. Politicien, c'est rémunéré. Même politologue, c'est pas rémunéré. C'est parce que j'aime trop la politique et je suis politologue. Voilà. Donc, en tout cas, ça va faire la part des choses. Politicien, c'est un travail. Voilà. Mais être président, c'est pas un travail. Parce que le président, d'abord, là, il a lui-même d'abord sa fonction. Voilà. Là, il a son activité professionnelle. Voilà. Vraiment, Ouattara, il a un faux économie. Mais tout comme fait, il a mis étiquette d'économie sur lui. Mais par contre, président, c'est pas sa fonction. On est juste là, comme une girouette, parce que c'est nous on le fait. Sans le président, sans nous, le président n'est rien. Voilà, donc on doit savoir définir les choses. Et lui, il dit quoi? Il dit quoi? Il dit le don, tu estimes qu'il débute des inepties, mais tu es super fan de lui paradoxalement, et tu suis, tu t'ennuies, le don. Il parle de qui? Quel est le don? C'est qui ça? Le don, c'est qui? Voilà. Donc, je suis venu souhaiter bonne fête du travail. Et par ricochet, Sam l'Africain, il a son meeting à Zopé. Voilà. Lui, il est dans l'idéologie politique du président Laurent Gbagbo. Donc, c'est lui qu'on doit suivre. Par contre, on doit faire barrage à Afinguissa. Voilà. C'est turiféré. Hier, il a fait une vidéo directe sur YouTube. On dit, mais pourquoi moi, je préfère un Libanais par rapport à par rapport à un noir, mais par rapport à un Ivoirien, il dit, mais. Attends, t'es là, mais c'est aussi là. Mais mon roi qui a fui, les petits coins sont pris, mais c'est. Putain. Mais c'est comme ça. Comme on va. C'est le meilleur pour des tri de ça, mais. C'est comme ça. Petit tri comme ça. Tiens, on a tri 25. Il n'y a pas de tissu même. Il lui faut le commentaire chien là. Mais tiens, champion, je ne vais pas me distraire. Elle dit commentaire, elle fait vidéo. Moi, maintenant, on ne me dit pas commentaire. Voilà. Mais moi-même, je vous ai expliqué une stratégie. Quand vous voulez bloquer quelqu'un qui vous dérange là, on ne dit pas son nom. Parce que quand tu dis son nom, tu l'accordes toute l'importance. Tu le bloques en silence. Voilà, c'est comme ça qu'il faut bloquer. On ne dit pas le nom de quelqu'un pour dire non. Direct, Sedina a lui été bloqué. Non. Tu vois son commentaire déplacé, puis tu mets. Mais. Quand même là commenter et puis voir que ça fait plus là, voilà. Il sera frustré verbalement. Donc je reviens. Il y a un gars qui dit, il dit toi tu fais vidéo pour mourir les vieilles femmes. Mais c'est mourir pas les vieilles femmes là, qui va les mourir? Voilà. C'est les femmes, elles ont la recherche d'amour. Sinon moi nous les mourir pas là, qui va les mourir? Toi tu es appelé à vieillir aussi. Voilà. Toi, chien, tu dis, mougou les vieilles femmes, tu as appelé à vieillir. Donc, quand tu as vieilli, là, ta pine, là, tu as mis un cocotier pour te masturber, quoi. Mais toi, tu n'as jamais vieilli. Mais au contraire, la vieillesse, là, c'est un honneur. Voilà. Mais c'est les gens qui font ça, je ne sais pas, qui font ça, qui disent ça à thème péjoratif. Quand on dit Félix Chiengbo, il est vieux. Mais c'est un honneur. Félix Chiengbo, il est vieux, c'est un honneur. Lui, au moins, il a 56 ans. Nous, on a encore 56 ans. Lui, au moins, il a eu la chance d'atteindre 56 ans. C'est un honneur. Nous, maintenant, pour arriver à 50. Voilà, on doit crapailler pour arriver à 50. Philippe le chien, alias Rentemplant, chien sans queue. Voilà, lui, il a 56 ans. C'est un honneur. Dieu sait un tapis pour lui. Voilà. Donc, je disais,
J'étais 10 ans. Le 4 mai, meeting de Sam l'Africain à Zopé. Voilà. C'est le représentant légal du FPI dans cette localité. Tous ceux qui vont se faire passer pour les FPI, eux sont dans le faux. Il n'y a pas deux faits d'FPI. La vraie fête d'FPI, elle s'est passée le 26 ou 29 à Diokwe. Ceux qui ont se levé le matin pour dire non, fête FPI, eux sont dans le faux. C'est un faux FPI. C'est FPI Shintok. Il y a l'homme Shintok. Il y a Portable Shintok. Même parti politique, il y a son Shintok. Ok, moi, je connais l'Ivoirien. C'est le morceau en blazou. L'Ivoirien va suivre quelque chose qui est Shintok. Quoi. Et puis, on se moque de lui après. On est issu à la fille. La fille, c'est un morceau Shintok. Nous, on aime être à la page. C'est Gbagbo, nous, on connaît. Voilà, les autres turiciers, là, on ne les connaît pas. Voilà, les porteurs du mal de Satan. On ne les connaît pas. Les malandrins. On ne les connaît pas. Voilà. Les coupés jarrés sous la fausse casquette de leader politique. On ne les connaît pas. Voilà, nous c'est Gbagbo, nous on connaît. Avec son staff là, les autres là, Manin Guessa, les Léon, la fille là, Agnès Monnier, c'est eux nous on connaît. C'est eux les vrais FPI. Voilà, ils sont majoritaires. Mais c'est 9%. Il n'a pas 9% même. Il vous dit, voilà, c'est Ouattara qui a donné le nom. Moi là, il a dit 0,00001% aux élections. Voilà, parce que lui-même l'a dit en 2015. Il ne faut pas aller s'enrôler. Nous on n'est pas Gawa. Quand on dit affaire tête, on dit non, que c'est un acharnement. Ce n'est pas un acharnement. On t'a libéré de prison. Tu dis, les gars, il ne faut pas en aller s'enrôler. On va passer au Ouattara, c'est un faux. Il ne faut pas s'enrôler. Non, c'est qui t'aimait. On dit, bon, le chef, le représentant légal de Gbagbo, qui est à la haie, a dit non, il ne faut pas s'enrôler. Donc, non, on ne s'est pas enrôlé. Mon petit même Kwasi Bi, il a déchiré sa carte d'électeur. On disait ici dans la vidéo, il a déchiré sa carte d'électeur. Il a déchiré ça. Contre toute attente, voilà la fille qui sont aux élections. Mais non, on ne comprend pas. Tu as dit à tes partisans du FPI, qui avaient la foi en toi, tu as dit, il ne faut pas s'enrôler pour faire 40 personnes dans le boycott de Ouattara. Et toi, à la grande surprise, tu nous drips, tu t'en aux élections. Mais tu connais si quoi? Maintenant, c'est que tu es traite. Mais comme on voulait l'union dans la famille politique du FPI, et donc, on n'a pas dit quelque chose. Voilà, mais sinon, c'est que ce tas que tu as posé, c'est un acte très triste. Tant tu n'as pas nous dit de ne pas s'enrôler, pour la volonté 40, tu sais que c'est ça, on doit voter. Et toi, vers la fin, tu dis non, je mets aux élections. Mais qui a été voté? C'est tes parents qui ont été votés ou bien? Là, il dit quoi? Dessin, tu penses pas qu'il est temps de faire la politique politicienne et sortir des clashs sur Facebook? Voilà, toi tu confonds tout. Même les politiciens, ils se clashent. Voilà. Moi, je suis pas politicien champion. Voilà, je suis pas politicien, je suis politologue. Moi, je suis pas politicien. Voilà, politiciens, ils sont partis politiques, ils sont militants. Moi, je suis pas militant de quelque chose. Je suis pas politicien. Voilà, donc moi, j'ai ma feuille de route à moi-même. Voilà, je ne sois pas dans de quelqu'un. Donc ceux qui vont venir dire, ils viennent en commentaire, non, ça c'est pas le combat. Donne-moi la feuille de route que tu m'as donné que tu dois suivre là. Donne-moi l'itinéraire de votre combat là, il faut me donner ça. Ou même donne-moi un contrat qui est signé, vous permis, je n'accepte le clause là. Mais vous devez foutez quoi. Non, ça c'est pas le combat. Tu parles déjà, c'est pas le combat. Toi, t'as ma caméra. Chenaki, c'est comment? Toi, tu n'as pas caméra. Mais vous chauffez que déjà. Après quand vous insultez, vous dites non que ouais, on insulte les gens. L'homme, il prend son courage, il vient faire sa vidéo, il vient, il s'expose lui-même. Lui-même, il cherche danger. Il s'expose lui-même. C'est vous qui êtes caché derrière votre clavier, on ne connaît pas vos photos. Vous venez, non, il faut faire la politique, ça, c'est pas la politique. Toi, tu fais la politique aussi. On dit la politique, si tu ne fais pas ça, ça te fait aussi. Mais vous êtes là, c'est vous qui êtes là derrière votre clavier, vous savez parler. Bois. Viens faire politique. Non, non, non. Que ça, c'est pas la politique. Moi, c'est pas politicien, mon frère. Voilà, je suis acteur de la société civile. Donc, j'ai le plein droit de parler de la situation de mon pays quand tout ça déplacé. Voilà. Mais c'est pas à cause de votre politique. Vous allez m'empêcher de m'en donner à ce que j'aime. Vous allez m'empêcher de m'en donner à ce que j'aime à cause de vos politiques. De foutaise. Hein. C'est comme Nia, Chantal, l'Ekpli. Voilà. Ça, c'est les vieilles mères de Agba. Voilà. Elle sait pas, mais elle est son. Il y a son ciel. Voilà. Tellement qu'il est si fort. Non, il est drone partout. Là, les vieilles mères Chantal, l'Ekpli. C'est les vieilles mères de Agba. Elle a fréquenté elle, Nakabel. Voilà, autant. Ni en faut confirmer. Voilà, elle a fréquenté elle, Nakabel. Ouais, non, c'est ça. Voilà. Donc, moi, lui qui a fait là, moi, il écume sa vie. Mais c'est pas. C'est quoi le projet? Dans les morts, Calmos. Voilà, Calmos. Voilà, on nomme le président Laurent Gbagbo. On a s'inscrit dans sa logique. Il n'est pas violent. Voilà, il dit, ah, ce nom est discutant.
Maintenant, ceux qui refusent de s'asseoir pour discuter, nous, on est là pour faire les affaires. Voilà, parce que nous sommes les combattants. Ouais. Nous, on sait tout faire. Et puis, nos combats, ce n'est pas combat virtuel. Hein. Voilà, parce que les gens qui me voient, non, on dit combattant du salon, commandant du salon. Hé, nous, on combat même dans la ville, mais on combat. Dans la ville même, nous, on combat. Voilà, on a eu tout l'expérience, on a eu diplôme de ça. Dans la ville, nous, on combat. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous effrayer. Au contraire, c'est vous qui nous effrayez. Sinon, moi, je ne me ferai pas. Il sait ce qu'il fait. Voilà. Donc, les gars, les menaces, calmos. Il y a un gars qui dit, est-ce que tu as déjà payé le loyer? Si je ne payais pas le loyer, j'irais dormir à la porte de la Villette. Voilà. Ça, c'est une réalité aussi. Il y a un gars qui dit, tu dis rien de concret. Tu fais vidéo pour baiser les vieilles de Paris. Tu n'as pas honte. Est-ce que je suis jeune? Il n'y a pas 30 ans, mon frère. Je suis vieux. Je n'ai pas beaucoup de vieilles. Hey. Bon, si moi, je suis vieux, que y a beaucoup de jeunes filles. Les vieilles, là, qui m'aiment beaucoup. Si moi, je suis jeune. Je suis vieux que Yomou, je suis payé si beau. Parce que moi, ce n'est pas mon âge. Alors, quand les gens disent, ah, tu as quel âge? Il y a 32 ans. On dit, ah, bébé, tu as quel âge? Tata, si tu as tout, tu as 25 ans. Il dit, oui, il y a 25 ans. Il a menti, c'est mon âge. Ok, même. 25 ans, même, c'est le double de mon âge. Voilà. Mais si moi, il y a beaucoup les filles de moi. Si Yomou, les petites filles payées si beau, là, les vieilles, il y a qui les beaucoup. Moi, je ne suis pas égoïste, mon frère. Voilà. Moi, je ne suis pas égoïste. Donc, il raconte rien ici. Voilà, il m'a connu ici, il mouge sa grande soeur, il mouge sa maman. Voilà, l'amour n'a pas, il n'y a pas frontière. Donc, il me dit quoi, tu dis rien de bon, tu es baisse et tout. Il faut être souvent venu dire, ouais, tu fais vidéo pour mouge les goûts, pour mouge les vieilles femmes. Vieilles femmes, c'est pas toi, tu n'as pas vieilli. Tu vas pas vieilli. Les gens, ils sont là, ils sont bêtes, quoi. Chantal, Nia, je sais ça, faut laisser, c'est le dessin qui est là, le commanditaire, je sais ça. Voilà, tu as fréquenté un Akabel, non, c'est ça, Agman, on connaît. Voilà, laisse ça. Toi-même, tu es tourné, mais non, c'est ça. Voilà. Dis-moi, comment va ton ami Lunin de Poy? C'est pas mon ami, mon frère. Gun Galliano, il dit, tu as raison, il faut, faut les mougou au calme. Mais, il comprend pas, champion. Un fille qui a dit, elle dit, Carole Kaline, elle dit, tu charmes le vieux, t'es charmé encore. Ah, un vieux qui charme, tu es gris, tu es si beau. Voilà. C'est pas toi, tu te masturbes, que ouais, tu es jaloux de moi. Tu peux pas beaucoup, même, tu peux pas beaucoup moustique. Tu peux pas beaucoup moustique. C'est pour laquelle tu es jaloux de moi. Voilà. Sinon, nous, on est beau là, on peut mourir. Même pour peu, on mourir aussi. Et bien, folle. Ça roule. Voilà. Bon, les gars. On se braque contre ta fille. Donc, j'étais 10 ans. Ils disent non, pourquoi tu fais une vidéo aussi pour défendre Sam l'Africain. Sam l'Africain, c'est un Libanais. Afi, c'est un Ivoirien. Afi, c'est un Africain noir comme toi. Il y a un mort des États-Unis qui m'a appelé. Il dit, mais je ne suis pas d'accord parce que tu défends Sam l'Africain au profit de ton ami noir. Il a dit, sortez de ces clichés-là. Quand tu me dis défense en Afrique, c'est-à-dire. Sam l'Africain, il est ivoirien. Voilà. Sam l'Africain, c'est pendant qu'on migrait vers la Côte d'Ivoire. Lui, il est né en Côte d'Ivoire. Il est ivoirien. Il dit, oui, je comprends, mais il est à peau blanche. Il dit, bon, toi, tu es aux États-Unis, non? Il dit, comment? Il dit, ouais. Tu as pas ça américain, non? Il dit, comment? Il dit, mais est-ce que tu ne joues pas les mêmes droits que les Américains qui sont aux États-Unis? Il dit, comment? Il dit, n'y a rien. Mais pourquoi quand c'est Sam l'Africain? Il n'a pas juif du même droit que les Ivoiriens. Mais si on ne veut pas que quelqu'un juif du même droit que les Ivoiriens, on ne l'octroie pas le passeport ivoirien. C'est tout. Il dit non, mais dans les pays arabes, là, les Libanais, là, ils ne donnent pas les nationalités aux gens. Mais c'est leur droit le plus absolu. Ils ne veulent pas donner, ils ne donnent pas. Ce n'est pas obligé, ce n'est pas l'obligation. Donc vous aussi, si vous estimez qu'ils ne sont pas gentils avec vous, avec vos ressources, vous faites pareil. Mais c'est vous, on vous encule. Pourquoi? Parce que vous êtes corrompus. Comme en Côte d'Ivoire, les Libanais ont des mosquées. Noir ne doit pas rentrer, noir musulman ne doit pas rentrer. Quand ce noir est censé plaindre à la police, les policiers disent non, mais qui t'a envoyé là-bas? C'est la mosquée c'est qu'on construit. Nyan! Afin de religion, il y a couleur quoi. Donc au contraire, si les Libanais de notre pays, ils nous oppriment là, c'est la faute à nos gouvernants. Voilà, parce qu'ils ne prennent pas des mesures drastiques pour pouvoir les sanctionner. Libanais même, combien de Libanais qui ont souhaité qu'ils payent impôts? Ils ne payent pas impôts. Ils ne payent pas impôts. Les Balais encore, ils ne payent pas impôts. Pourquoi? Il y a la corruption. Dans l'Afrique, là, pour pouvoir avancer là, on doit mettre fin à tout ça, la corruption. Parce que c'est ça même que la gangrène même, c'est ça qui est l'état de l'Afrique.
En France, il n'y a pas de corruption. Hein, ici, ça, la corruption, c'est un peu. Voilà, mais il n'y a pas de corruption. En France, tu roules, tu as fait petit heureux. Pour ça, fait prrr, prrr, monsieur, vous avez greffé moins 2 points sur votre permis. Ou bien, non, c'est moins 6 points. Moins 6 points sur votre permis. Tu n'as pas dit non, ah, policier, pardon. C'est ma première fois de passer permis. Pardon, tiens 100 euros. Tu tiens 300 euros. Policier, même si il touche 200 euros. T'es 600 euros, il va jamais prendre ça. Il dit non, je travaille pour l'État. Alors, le tic de mon boulot veut que je ne sois pas corrompu. Parce que je jette le propre sur la police. Voilà. Même s'il touche 1200 euros, toi, tu proposes 1800. Pour ne pas qu'il détente 6 points, il va jamais vouloir. Voilà, parce que c'est ça. Eux, c'est l'éthique de la police. Mais en Côte d'Ivoire, qui est nous, on marchande même. Donc, on n'a pas de pièce. Monsieur, prou, on le siffle, il garde. On dit, monsieur, on regarde ses pièces. Visite technique périmée, ou même patente périmée. Voilà, ça nécessite une fourrière. Si c'est au trésor public, il peut payer au moins 50 000 francs. Comme contravention, et puis après les 50 000 francs, il paye là. Il doit encore payer la patente à 120 000. Mais moi, les petits commandos, il dit, ah, monsieur, tu fais défaut de patente, tant que c'est fourrier. Il dit, ah, chef, ça va, je dis, ah, volontiers. Tu peux donner combien? Il dit, ah, chef, il faut prendre 20 000. Il dit, ah, champion, tu mets 500 au trésor public, tu as payé 50 000. Ah, tu as payé 50 000. Ok, moi, là, tu as 20 000, c'est trop. On ne peut pas, tu peux pas, tu es petit. Bon, il faut faire ça, fait 5 000. Il dit non, chef, c'est ce que j'ai, 20 000. Il dit ah bon. C'est comme un bien périssable. Voilà. Un bien qui ne périt pas. C'est comme les hôtels. Voilà. Il faut, pour gérer un hôtel, il faut apprendre le marketing. Bon, ce gars-là, c'est pas pour dire c'est ma tomate. Pour dire si je laisse partir, ça va pourrir. Voilà. Ça ne pourrit pas. Donc, s'il me dit qu'il n'a pas 25 000, qu'il a 20 000. Il a tiré. Il dit il n'a pas 25 000, il a 20 000. Il prend les 20 000. Mais c'est que j'ai fourni quel effort pour pouvoir avoir ces 20 000. Donc c'est comme ça la corruption gangrène la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est un bien. Ce qui va me dire, c'est un bien qui ne périt pas. C'est pas pour dire je vends tomate, pour dire, ah, si elle ne liquide pas tomate là, ça va pourrir dans ma main. C'est un bien, c'est les biens qui ne périssent pas. Donc il faut jauger à lui. Tu tires la colle, tu tires. Quand tu tires, quand tu sais que le gars il maintient, tu laisses. Moi, quand il y en a quelqu'un en Côte d'Ivoire, il ne force pas. Hein? Voilà. Il ne force pas. Et puis moi, il travaille intelligence. Voilà, quand il cite 10 baka, il y a au moins 5 baka qui n'ont pas de pièce. Et il allume bien. Pourquoi quand il dit baisser, c'est baisser. Il n'y a pas de discours de ça. Et il domine, bosser. Les 5 autres là, ils viennent, ils n'ont pas de pièce. Il me dit, ah, chauffeur, t'as pas de pièce. Il dit, ah, chef, il n'y a pas là. Il m'a fou, mais béni. Et lui, mais béni. Il prend un encore. Il n'y a pas de pièce, chef. Il dit, fou, mais béni. Il m'est béni. Moi, c'est comme il travaille. Voilà. Donc quand il me bénit, c'est toi qui me maudit. Toi, tu fais quoi? Et puis il juge. Moi, si il est blessé, il a libéré 10 personnes qui m'ont béni. Toi, une personne était prise. Hein. Même faut être marabout. Tu vas payer les 100 000. Maintenant, faut maudire. Je sais que les 10 personnes qui sont grâcées qui m'ont béni, hein. Tu peux rien faire. Alors, c'est pour ça que je travaille. C'est la raison pour laquelle sur la route, là, les gens te donnent l'argent. Il y a un médicament dedans. Ils veulent te tuer, mais si tu as une couverture spirituelle, tu peux rien avoir. Donc, on travaille à l'intelligence. Voilà, nous, on était tous intelligents quand on sort la route. Moi, je travaille avec intelligence. C'est pas si mes amis faisaient ça. Voilà. Parce que moi, c'est pas trop dur. Quand il tire un peu, chef, ah, il n'y a pas de jeton. Et puis, il pleure, chef, il n'y a pas de jeton. Il dit, ok. Et c'est parti, mais il faut me bénir. Il dit, ah, en tout cas, chef, il te bénit. Tout ce que tu veux, il faut avoir ça. C'est l'homme, on dit, c'est la parole. On dit, le commencement, c'est la parole. Donc, il me bénit trois fois. Il prend au moins 5 bénédictions. Le sixième qui vient, qui m'a pièce, il est lui. Même s'il est marabout, il est champion. Il était maudit, il faut laisser ça là. Champion, c'est 10 000, il faut donner 10 000. Là. Il va craquer comment? Il dit, il faut donner 10 000. Là. Quand il dort maintenant, ouais, vous êtes comme ça, tout va finir, il m'en fout, moi, mais si ça merde contre mes dessus. Ah, mais il a pris 6 bénédictions, bonus. Donc, quand lui maudit là, si ça vient, quand ça vient, il plonge ça comme, voilà. Et tu peux rien me faire. Tu es marabout, tu peux pas me faire quelque chose, voilà. Là, ce qu'on a, nous, là, dans l'affaire des raquettes, on n'a pas pris malheur pour dire non, on a jeté ça sur nous, parce que nous, on travaille intelligence. Voilà, nous, on travaille avec intelligence, on n'est pas bête. Donc, c'est ça, on fait sur Facebook. Là. Quand les gens, ils viennent mentir ici, et pour ça, moi, ils vont mentir. Ici, à eux. Voilà, moi, je ne mens pas. Il dit, avec ça, comment le pays peut avancer? C'est ce qu'elle dit. C'est une question de sensibilisation. Voilà. Et pour ne pas qu'on raquette aussi là, il faut hausser les salaires. Comment tu estimes qu'un jeune homme qui travaille pour l'État, il y a un budget pour payer trahi? Lui, il a payé trahi lui-même. Aïe. Salaire n'est pas bon en Côte d'Ivoire pour avoir maison. Et on, il faut donner 12 mois de caution. Mais si moi, je travaille dans un petit coin bizarre de policier, mais il peut raqueter parce qu'on me dit de payer 12 mois de caution. Il n'y a pas de mieux dehors. Il y a des travaux qui dorment dehors. Et c'est présentable. Voilà. Donc, il faut une éducation. Il faut sensibiliser la population.
Vous voyez pourquoi il dit en Afrique là, en tout cas, pour sortir de l'auberge là, ça sera au moins 300 ans d'abord. Parce qu'il faut faire un lavage du cerveau. Voilà, il faut dire, il faut éduquer pour dire non, ça c'est pas bon. Corruption, c'est pas bon. Voilà, corruption, ça met le pays en retard. Il faut renflouer les caisses de l'État. Ici là, ils n'ont pas cacao, ils n'ont pas café cacao. Hein. Voilà, mais c'est les contraventions. Tu roules moi-même, bayaï, tu payes. C'est ça qui renflouent les caisses de l'État français. Voilà, les contraventions, les petits délits là, les petits contraventions là, c'est ça qui fait les trucs. Donc si nous, on se met dans cette logique là, on serait émergent. Mais moi et mes amis qui travaillent dans les autres villes à Tengri là, à Tengri là, mettre ici une moto qui n'a pas de pièce. Quand tu le bloques, tout le village vient, on brûle la brigade, on tue mes gendarmes. Mais c'est quelle mentalité? Il y a un gars qui dit, va faire ton test de dépistage. Bon, toi, tu ne me connais pas, donc tu ne peux pas parler de ça. Je ne sais pas à qui tu parles. Il dit quoi? Ange Gabriel. La vieille que tu as mou, là, elle a virus de sida. C'est toi qui appelle fait ton test de sida. Moi, depuis que je suis venu en France, alors, j'ai fait test de sida, j'ai fait ça 35 000 fois. Voilà. Tu ne me connais pas, tu sais pas qui je suis donc. Voilà, il parle moins de ça. Voilà. Moi, je dis, on doit faire barrage à la fille Nguessan. Voilà, Sam l'Africain, c'est un Ivoirien. Parce qu'il est né en Côte d'Ivoire, il a le passeport ivoirien. Il a la carte ivoirienne. Voilà. Il a un parti politique qui est en alliance avec le FPI. Voilà. Ils vont dire, non, c'est un Libanais. Oui, c'est un Libanais. Maintenant, si la constitution stipule que, ouais, Sam l'Africain, pour être présidentiel, il doit être né des pères et des mères ivoiriennes. Là, ça le bloque. Mais là, dans sa posture, on ne peut pas le priver ses droits parce qu'il est ivoirien au même titre que nous. Voilà, parce qu'il a un passeport ivoirien et il a une pièce ivoirienne. Mais vous c'est un sens unique, quoi. Il n'y a pas de rétrospection. Quand vous êtes en France, si vos enfants ont un passeport ivoirien, passeport français, là, vous voulez qu'ils n'ont qu'à avoir les mêmes droits que les Français, non? Mais eux, ils savent comment ils nous prennent. Il faut être ton français noir, mais il y a un poste que tu ne peux pas avoir. On fait ça en sourdine. Tu vois, ça se passe. Voilà, mais on fait pas ça aux yeux, eux, au sud de tout le monde. Sam l'Africain, c'est un Ivoirien, un point très. Voilà. Alain Guélé de Toulouse. C'est comment? Nobo. Voilà, ça c'est Alain Guélé de Toulouse. Voilà. C'est le bon moro. Un jour, quand il m'a appelé, ah, des animés, c'est comment? Il est calé. Il dit, il te fait un Ossé-Union. On m'a dit 2,50€. C'est pas bloc. Ils sont des amis. Voilà, ce sont des amis. On m'a dit 2,50€, c'est pas bloc. Il m'a demandé, hein. Il n'y a pas, c'est comment? Il s'en va, il dit, ça va. 2,50€. Après, moi, maintenant, nous, c'est un ingrat. Il dit, ah, mais il n'y a pas, qu'est-ce qu'il y a? Faut mettre 5 euros dessus. Il m'insulte ma mère, quoi. Il dit, oui, c'est comment vous êtes. Tu étais dans ton Paris, crèché dans le salon des gens. Tu dormais bien tranquille. Tu sais pas si tu vas avoir 250€. Moi, il t'appelle un matin pour dire, ah, envoie mon tonnerre, tu fais, ouais, c'est une note 250€. Quand il me dit, non, que de mettre 100 euros dessus. Ah, donc, il s'est défendu quelque chose pour toi, quoi. Vous voyez? C'est l'homme, non, mais l'homme doit être malhonnête. Tu as fait, tu es assis, tu es couché, tu es feintif. Tu crèches. Quelqu'un passe, il te donne 100€. Tu te mets toute facile. Tu dis, ah, moi, mais tel était couché, il voulait 200€. Est-ce que tu n'as pas compris 100€ dessus? Vous voyez? C'est comme ça. Noir. Il ne faut pas changer de mentalité. Et c'est ça qui nous a. C'est ça qui fait qu'on retrograde là. C'est pas normal. Donc, il faut éduquer la population. Rien en Afrique comme ça. Devant les maisons où on doit espacer les espaces verts. On va mettre des ordures là. On va jeter l'eau qu'on finit chier, on va jeter là. Mais on ne comprend pas la maladie. Voilà. Il faut d'abord l'hygiène d'abord. Moi, j'ai fait le Ghana, je vous l'ai dit. J'ai fait le Ghana en 94. On a fait le Ghana en 94. Au Ghana là. Les rues, c'est comme en France ici. Hein. Il n'y a pas de sanité. On ne trouve pas ça. On jette pas, on mange pas pour jeter à terre. Ça n'existe pas. Ah, c'était un montant, hein. Au montant où 1000 francs CFA faisaient 1800 CDI. À mon temps où 1000 francs CFA faisaient 1800 CDI dans les forêts, là. Le taux montait, ça descendait. Soit ça peut faire 1800, un jour utilisé, ça fait 1700. Ah, c'était un montant, ça. Voilà. À mon temps, il n'y avait pas billet de 500, il n'y avait pas billet de 1000 francs. Le seul gros billet qui était au Ghana, qui existait, c'est le billet de 200. Voilà, billet de 200. Maintenant, on dit à billet de 5000, billet de 1000 francs. Ça, c'est le faux gagné. Sinon, nous, notre temps avant Ghana, la Gold Coast, là. Nous, le seul globe, c'était un billet de 200. Voilà. Ou quand tu donnes 1000 francs CFA, ça fait 1800. Voilà. Ceux qui ont vécu au Ghana dans cette époque-là, ils savent de quoi ils parlent. Et c'est la première fois qu'ils ont vu portable là-bas au Ghana, en 94. Il n'y avait pas portable en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas portable au Ghana. Mobile phone. Ils appelaient ça mobile phone. Voilà.
dans les pays là, si tu arrives dans le pays pour la première fois, que tu as ton paquet de cigarettes, que tu fumes dans la rue, on sait que tu es étranger. Voilà. Si tu fumes dans la rue, comment on fume en France, c'est dans la rue, on sait que tu es étranger. Parce qu'au Ghana, on ne voit pas l'homme fumer dans la rue. Au Ghana, on ne voit pas l'homme fumer dans la rue. On ne voit pas. Voilà. Ghanais ne fume pas dans la rue. Ça, c'est l'éducation, ça. Ils ne fument pas dans la rue. Mais par contre, dans un petit coin, un petit maquis, c'est versé. C'est là-bas, il y a sa petite fumée. Sinon, Ghanais va fumer dans la rue. Fumer comme ça, il est assis, puis fume dans la rue. Ça n'existe pas. Voilà. Ce qu'on fait, le Ghana peut confirmer. Je te connais très bien. Tu sais quelle femme je parle. Bon, Ange Gabriel, tu sais, moi, quand on vient sur ma page là, et qu'on se fait remarquer beaucoup, je bloque. Voilà, parce que tu veux te faire remarquer sur ma page. Moi, j'aime pas ça. Quand tu viens, il faut commenter dans l'objectivité. Mais quand tu es subjectif là, moi, je bloque. Voilà, mais là, il n'y a pas de bloquer parce qu'il a dit ton nom. Voilà. Je ne te bloque pas parce qu'il a dit ton nom. Mais sois-en sûr que je vais te bloquer. Voilà, sois-en sûr. Là, il t'attend, il va te bloquer. Voilà, il va te bloquer dans le silence. Là, il a dit ton nom sur le bloc. Tu auras ton nom. Mais je ne te bloque pas. J'attends seulement. Quand tu vas mettre un petit commentaire, il va lire. Il peut te bloquer. Là, tu vas pas savoir. Quand tu vas commencer, tu fais mal. Voilà. Il dit quoi, le gars, il me pose des questions. John Galan, le sommet de l'Union africaine, on voit les Européens, mais le sommet de l'Union européenne, on ne voit pas les Africains. Voilà, mais dis ça. Il faut dire ça à nos dirigeants. Voilà, dites ça à nos dirigeants. Donc, il faudrait une prise de conscience au niveau de l'Afrique. Voilà. Il faudrait une prise de conscience. Et c'est nous qui sommes les précurseurs. On est en train de sensibiliser. Voilà. J'ai publié une vidéo de Vigueil sur ma page. Il y a pensé que c'était pour voir, pour montrer les gros bras. Non. Pas pour montrer les gros bras. Mais il y a un petit message qu'il a dit. Voilà. Il a tiré ça. C'est un gros bras qui est très instruit. Voilà. Il dit lors de la crise. Mais c'est pas de quoi bizarre parce qu'il y a longtemps il fait histoire. Voilà. Et dit entre nous Ivoiriens là, il ne faudrait pas qu'on se divise. Voilà. Quand tu vois ton ami bêté, il ne faut pas le prendre comme un bêté. Un peu babo. Tu le prends comme un Ivoirien. Et vous devez être solidaire. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai publié cette vidéo là. Sinon, pour dire non, il est nous ici, il n'est pas nous ici, c'est pas mon affaire. Voilà. C'est pour dire même les gros bras. Et il pense comme ça. Il a dit dans sa vidéo, il ne faut pas te fier aux politiciens. Ils nous utilisent, ils nous manipulent comme le bétail. Pour après, eux-mêmes causer après. La preuve en est, la guerre, là, nous on nous a opposé. On s'est tué entre les LDR. Oh, LDR, Pobabo, LMP, boum, on s'est tué. Mais eux, les enfants, là, ils sont morts. Ils sont pas morts. Mais comme ils sont maudits là, c'est moustique qui tue les enfants. C'est moustique qui tue les belles, les beaux. Voilà. Moustique tue l'homme en Côte d'Ivoire. Tiens. Pas lui tue l'homme en Côte d'Ivoire, pas lui. Et puis ça tue qui? Même l'homme qui est assis au bois, qui vit à côté de tout, à beaucoup de moustiques, il ne met pas. C'est l'homme qui habite dans l'opulence, qui a tout, les coffres, les boîtes de pharmacie, qui a mouru de pas lui. Voilà. Donc c'est comme ça Dieu il agit. Voilà. Donc c'est pour dire, en 2000 là, non, c'est pas lui. Taïa. C'est comment Danès Zimbé? Vu qu'il est bien, elle dit quoi? Elle a posé des questions. Tu vois sa question celui-là. Vu qu'il est bien, moi je comprends pas d'autres personnes sur le direct. Déjà, si vous n'avez rien à dire, on n'a pas besoin de commenter ou bien de parler. Regardez, écoutez et fermez votre bouche. C'est ça. Vous comportez comme Mouchi Kaka. Voilà. Mouche, il sait que caca sent, mais il est déçu. Mouche, là, il sait que caca sent, mais il est déçu. Comporte-toi comme abeille. Abeille va pas faire ça si caca. Abeille, il cherche le pollen, il cherche le miel. Il cherche où il y a le sucre. Voilà. Mais vous n'aimez pas, et vous êtes déçu. Abeille, là, il va se mettre sur caca. Donc, vous comportez comme mouche sur caca. Mouche, là, on chie, on n'a pas encore chié les derrière dans leur cul. Quand même pas, il est déçu. Quand on n'aime pas, on ne reste pas ici. Alors, abeille n'aime pas caca, il cherche le pollen pour butiner, pour faire miel. Voilà. Donc, on n'aime pas, on crie mon frère. On ne vous a pas appelé ici. Voilà. Moi, mais il y a 135 personnes, c'est tout beaucoup. Moi, il m'appelle 50 views in live. Il y a 50 personnes en direct. Voilà. Moi, ça bolo les 3000 vues. Là. Mais c'est pertinent.
Voilà. Donc, le fait qu'il n'aime pas quitter ici, voilà, moi, je suis en train de faire mon travail. Je suis venu communier à mes amis parce que c'est la fête du travail. Voilà. Maintenant, ceux qui disent que c'est pas un travail, c'est là, ça, c'est leur affaire. Voilà. Ceux qui font du bénévolat, c'est leur boulot parce qu'ils sortent le matin, ils ont un plan. Ils se disent non, je dois aller m'occuper des gens gratuitement. C'est un travail. Donc, il ne faut pas voir un travail, une activité qui est à but lucratif. Jamais. Voilà. Il dit quoi, le gars là? Bon, je ne sais pas de qui il parle, mais il est bloqué quand même. Pas gars. Il a bloqué un gars là. Voilà, il est bloqué. Voilà. Donc, je revenais, je disais, il faudrait que nous soutenions Sam l'Africain. Voilà. Tous les athées qui sont à Azopé. Sam l'Africain, il a son meeting le 4 mai. Voilà, c'est lui qui est le représentant légal du président Laurent Gbagbo dans cette localité. À part eux là, les autres, c'est des turiféraires. C'est des turiféraires, c'est des traîtres. Ils ont vendu le combat. Quand on leur dit ça, ça fait mal. Mais c'est une réalité. Tu ne peux pas dire aux gens de ne pas s'enrôler et aller aux élections. Ça arrive à quelle logique? Ça répond à quelle logique? Tu ne peux pas être le 21 directeur d'un parti politique. Parce que ton mentor était incarcéré. Tu as pris les rênes du parti. Mais à cause de vous, il y a certains de vos amis qui ont été contraints à l'exil forcé. Qu'est-ce que vous avez fait pour les ramener en Côte d'Ivoire? Même si vous ne pouviez pas les ramener en Côte d'Ivoire, il fallait quand même faire un voyage pour aller sur les lieux d'exil. Pour aller les saluer pour dire non, en tout cas, tenez bon, mais je vois vraiment Ouattara pour qu'on puisse vous faire entrer. Jamais Afi n'est allé voir le Kone Katina, les Émile Guillelou, les 30 ans. Mais Afi, c'est un traître, les gars. Est-ce la bonne d'avoir battu tout ce transit pour savoir ça? Tout près ici, même si même Babou a été incarcéré, Afi n'est pas allé la voir. Ah, lui, c'est qu'un FPI. Pour lui, c'est qu'un FPI. Tiens. Et vous parlez de ça, vous êtes là, vous criez en combat, on ne sait pas qu'est-ce que vous racontez là. Mais du coup. Shonaki, la mer, si tu vois un tilapia qui ne sait pas nager, qui nage pas bien sur mon direct là, tu dis, tu écris son nom. Voilà, tu écris son nom, tout le monde est là et il bloque en même temps. Voilà, on le bloque en pro. Voilà, non, on bloque ici en pro, on le bloque en pro. Donc tu vois un tilapia que tu n'aimes pas là, écris son nom, il le bloque en pro, mais il ne faut pas dire bloque le tilapia, il ne sait pas, mais il ne dit pas commenter. Donc tu mets son nom et puis tu bloques, on le bloque en pro, on le bloque en pro, c'est tout. Voilà. Donc, il y a des gens qui ne veulent pas choisir la vérité. Non, on est contre la fille. Moi, je ne suis pas contre la fille. La preuve, quand ça a commencé, je n'ai même plus parti. Il dit, FPI, c'est FPI. On doit être unis. Moi, je m'ai attaqué à Abouna Sangaré, faire personne. Il dit, mais Abouna Sangaré, c'est un méchant. C'est ça, le nez, là. Il a pris ma vidéo où elle parlait. Il n'a pas dit, mais ça ne va pas. Il dit, moi, assume ça. Aïe. Il dit, mais il était méchant. Moi, comment estimer que moi, je vais me prendre grâce à Abouna Sangaré? Moi, je dois boire café à 7 heures. L'eau vient à 8h, le lait vient à 10h, pain vient à 11h. Vers la fin, le café est froid. Aïe, il est gentil comme ça là. On mange toujours cocondé, chaque jour on mange cocondé, sauf vête. Aïe, faut pas me plaindre quoi. Mon remède passe, mais nous salue pas. Nous on est là pour le sécuriser, nous salue pas. C'est quand même mort ça. Aïe, faut pas me plaindre quoi. Il a dit ça, il a mis ça, il a dit oui, il assume. Il a dit oui, il assume. Aïe, il a dit ça. Mais pour le respect qu'il a pour ça, mais moi il a pas dit ça. Mais sinon, il assume ce qu'il a dit. Il est prédit à Mani Gessa, il est méchant aussi. Aïe. En plein 24, il m'appelle bien, c'est pas en quelle année. En plein 24, à Mani Gessa, il était ministre de la Défense. En plein 24, il allait accueillir son fils à l'aéroport. Il quittait à Londres, je ne sais pas, il était étudiant. Nous, on était dans notre petit coin, dans notre petit coin, on prend garde là. On était livré à nous-mêmes, même venu nous saluer. Pour dire non, ah, les monos, c'est comment? Jamais. Mais nous, par contre, au temps du PDCI, quand ils étaient au pouvoir là, nous, les gens dans ces pays, on dit, ah, en tout cas, les gens du PDCI, quand ils étaient au pouvoir, les ministres là, quand tu as la chance que tu prends garde le jour du réveillon, le patron même lui vient, et puis il vient, il dit, ouais, vous êtes là, tenez l'argent. La preuve, on est actuellement, c'est fait du travail. C'est les autorités là, il y a les gendarmes qui sont là. Donc, on dit, fait du travail. Ils devaient rester chez eux. Ils devaient rester chez eux. Mais ils sont sur les autorités. Mais toi, autorité, si tu es humain là, les gens, ils sont là. Ils doivent fêter du travail. Ils sont là pour te prendre. Pour assurer ta sécurité. Au moins, tu peux venir les voir pour dire, ah, c'est comment les molos?
Et puis un petit biais, glisser un petit biais, c'est normal, c'est tout. Quand on parle, on dit non, vous êtes payé avec l'année contribuable. Merde contre des mamans des gens qui disent ça. Tout le monde est payé avec l'année contribuable. Donc, au fait, moi, si Luc me dit ça, il n'est pas intelligent. Quand on parle, on dit, ouais, vous êtes payé, vous êtes payé avec l'année contribuable. Mais toi, tu es payé l'année de quoi? Toi, tu es, toi, tu parles, tu es payé avec l'année de quoi? Alors, c'est nous les payés avec l'année contribuable. Mais toi, tu es payé l'année de quoi? Toi, tu es payé l'année de ta maman, quoi? Souvent, moi, je vois les gens qui parlent, ils ne sont pas intelligents. Non, qu'on a bien, c'est votre travail. Vous êtes payé avec l'année contribuable. Oui, il accepte. Toi, tu es payé l'année quoi? Qu'on a bien, là, avant d'être qu'on a bien, il est d'abord un citoyen. Et puis, il paye les impôts. Donc, c'est son propre argent qui le paye. Toi aussi, qui es civil, là, tu payes impôts. C'est ton propre argent qui te paye. Elle est patronne. Donc, vous parlez de quoi? Non, c'est votre travail. Vous êtes payé l'année contribuable. Toi, tu es payé l'année de quoi? Toi, tu es payé l'année de quoi? Voilà. Donc, elle disait. Nos anciens gendarmes avant, ils disent, autant du fouet, ça me c'est gâté. Autant du fouet, tu viens prendre gâte chez lui. Si fait ta trouver là-bas, fait ta trouver, puis t'es le 1er janvier 1937, tu es à sa maison. Il délègue, il envoie son quoi, son, peut-être son chalet, son, c'est pas son couteau yaourt, pas ou rien. Un autre gars, il s'accoupe, il dit, bon, tu vois les gendarmes là, ils sont là, bon, tu sais que, ouais, c'est les humains, ils sont laissés, les parents pour venir fêter avec nous ici, ils ont pris gâte chez nous. Ils m'ont fait 31. Il y a eu du 1er. Du 31 au 1er, ils sont en train de prendre 4 chez nous. Donc, ce que vous avez fait, faites des enveloppes de 100 000, 100 000, et puis allez partager. Et ils faisaient ça. Bah, et puis ils viennent. Ils donnent. Tiens, gendarme, c'est toi. Ta, tini. Autant de fouets, ça existait. Autant de bédés, ça existait. Mais les gens de Bambou qui sont arrivés là, plus mauvais que eux, tu ne peux pas parler. J'ai fait l'exemple. Ça, ce n'est pas une affaire de dénigrer, c'est la vérité, il dit. Voilà, souvent, il faut de la vérité. Moi, j'ai vécu ça avec Abdouma Sangaré, il perd son âme. Voilà. Abdouma Sangaré, il passe, il ne salue pas. Il ne salue pas. Il nous prend comme des moins que rien. Or, que nous sommes là pour assurer sa sécurité. Si ça commence, c'est nous, on doit porter. Mais le minimum, là, quand même, là, il faut respecter les gens. Babo, même qui est le président, lui, là, ça va cool, là-bas. Lui, il vient plus marcher. Il salue les monos, il les salue, le chef, mais il salue les gens. Babo, même qui était Babo, là, lui, là, les gens me disaient ça. On dit, ah, président, c'est pour lui, comment? Ah, président, mais il vient, il cause avec vous. C'est comment les jeunes, ça va, lui-même, il cause à vous, mais tranquille, le cabinet est ouvert. Mais ces gens, c'est à côté Yao là, c'est eux qui ont gâté le monsieur. Le monsieur, il a conquis. Mais c'est eux qui sont venus gâter son, mais ça, son attaqué. Maintenant, je vous dis, vous les politiciens africains là, voilà, on vous dit la vérité. Ici en Europe, ici là, quand tu es ministre d'un gouvernement, que le président fait une action qui ne te plaît pas, mon frère, il faut démissionner. Ayez la mobilité de démissionner les gars. Mais vous en Afrique, le président fait ça. Non mais, il n'a pas le droit de faire prendre ça. Et puis tu es dans son gouvernement. Démissionne. Moi quand j'ai vu des vidéos de l'autre là, je ne sais pas, d'un intellectuel comme Mamadou Coulibaly, en train de dénigrer Gbagbo sur YouTube. Non, Gbagbo est le président Afrique, le de Côte d'Ivoire qui a plus donné des contrats aux Français. Mais tu es dans son gouvernement, tu dis que c'est pas bon. Il fallait démissionner. Mamadou Coulibaly, il fallait démissionner. Parce qu'on est intellectuel là, et puis on ne veut pas être comptable d'une mauvaise gouvernance, on démissionne. Quand on s'est dit intellectuel, quand on ne veut pas être comptable d'une mauvaise gouvernance, on démissionne. Là, tu ne veux pas t'associer au FPI, tu as démissionné. Donc, démissionnez. Mais quand vous êtes avec eux là, fermez vos gueules et puis mangez. Voilà. Si vous n'avez pas le cran de démissionner, fermez vos gueules, c'est tout. Voilà. Donc, il renonce le corps à bien. Donc, nos anciens gendarmes disaient non, autant de PDCI, non, tu es à l'aise même, c'est pas bloc. Autant de PDCI, tu prends garde. L'autorité est là. Il dit ah, les jeunes sont comment? Ah, vous êtes dormi ici la nuit. Ah, c'était 24, non, aujourd'hui le 25. Vous sonnez quand on descend à 16h. Il dit ah, ok, bon, attendez, je vais envoyer mon truc à vous donner quelque chose. Mon aide de camp. Quand aide de camp vient, il compte. Baya, baya. 40 000. Et puis, vous devez partir. Là au moins vous êtes content, vous avez la joie au cœur, vous êtes content. Voilà. Mais moi, il me prend 4 à Manu Gissa. Il s'en fêtait. Son enfant est quitté à Londres. Il peut pas nous dire, ah vous là, vous prenez 4 à Matilé, 1000 francs pour payer votre poulet. Il n'est pas prêt pour ça. Et lui fêtait ses enfants là-bas. Il fêtait ses enfants dans sa maison en haut là-bas là. Vers l'essai technique là. Et puis dans la voiture, là, dans le parking, il y a au moins 16 voitures. Il y a voiture, mais de, ben, il y a bâché les lapins. Bâché, on prend pour bâché, ça en prend. Sans prendre F pour la paix. C'est pas bien. Voilà. C'est pas bien. Voilà. Les gens, je vous dis, autorité de Côte d'Ivoire. Les gendarmes, vos gars de Côte d'Ivoire, c'est eux vous de mettre zo.
Voilà, parce que quand ça a commencé, c'est eux qui sont les premiers à se donner pour vous. Dans ces choses comme ça, là, c'est eux en même bien. Rien qu'à la fille, il a pris les femmes. Pourquoi? Parce que c'est les femmes qui sont des trucs de confiance. Il les mettait bien. Voilà. C'est ce que Ouattara avait ici, là. Ouattara, sa femme, elle a gardé le corps. Une fille, j'ai vu ça dans un meeting. Ouattara, sa femme, là, elle a gardé le corps femme. C'est comme ça. Donc, quand quelqu'un est là pour assurer ta protection, là, il ne faut pas le narguer. Voilà, il faut le mettre zo. Quand ça a commencé, c'est lui qui donne sa partie, il te protège. C'est quoi ça se passe? Voilà. Mais vous, les gens, ils sont là pour votre sécurité et c'est vous qui les narguez. Vous les insultez, vous les prenez comme des esclaves. On fait pas ça, les gars. On fait pas ça. Voilà. On fait pas ça. Ta sécurité, là, il faut les mettre zo. Là, quand ça commence, ils sont prêts. Ah, patron, là, il est bon. Là. Non, patron, là, il est bon, il ne laisse pas. Il est né même mourir, toi. Mais moi, tu as passé tout mon temps à me miniguer, il sait pas, à me filiponder, à m'assujettir. Quand ça a commencé, vous pensez, quand ça a commencé, moi, c'est moi qui te cherche. Si ça commence, il te cherche. Il dit, ministre, là, découte ton coffre, là. Il dit, ah, attends, laisse ça, là, découte ton coffre, là. Découte ton coffre, là. Il est même ici, découte ton coffre, mon frère. Aïe, il y a plein de problèmes avec ça. Tout ça, pourquoi? Parce que tu es mauvais. Parce que vous êtes mauvais, c'est pas normal. Voilà. Ici, en Europe, on dit garde le corps. Garde du corps, là, on le met bien. Parce que c'est pas lui, on peut t'assassiner. Donc, lui, il faut le mettre bien. Mais vous, les gens, ils sont dans vos coups. Ils prennent garde de vos coups. Et ils laissent les femmes venir prendre dormir chez vous. À peine, vous les nourrissez mal. Au moins, si vous les nourrissez pas, vous ne les donnez pas bien la nourriture. Là, au moins, là, le minimum, saluez-les quand même. Saluez-les. Saluez-les. Venez au moins poser souvent le pouvoir. Ah, c'est comment les chefs, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la nourriture, c'est bien ou même c'est pas bien? Et puis, on change. Les gens, à peine, ils sont là dans vos coups. À peine vous voyez, vous ne savez pas où ils vivent. Là, on appelle ça la méchanceté. Voilà. Moi, j'ai vécu ça. Voilà. Et vous, ça, c'est un boudron sangaré chez lui là-bas. Voilà. Ce qu'on dit, il ne voit pas l'auteur. Il habitait à côté de Aubrey Hooks. Voilà. Ancien ambassadeur des États-Unis. Et en face de lui, il y avait commandant CKCK qui habitait en face de lui. CKCK ensemble. Voilà. Boudron sangaré ici. L'autre donne, et puis l'autre, il se donne face. Voilà. À côté du lycée technique là. Voilà. Anciennement, il y avait la primature, ancien maison de fou qui est vers la corniche là. Voilà. C'est là-bas qu'il prenait garde. Là-bas, il prenait garde. Voilà. Donc, comme il parle, il sait de quoi il parle. Voilà. Chauffeur d'abonnement sanglant, il s'appelait. J'ai plus son nom. J'ai un baoulé d'habitat à Bobo. Je ne sais pas, Yao ou bien quoi. Si, c'est un nom baoulé, il habitait à Bobo. C'était le long de l'île de Long. Voilà. On jouait dans la maison, on jouait 4 là-bas. Non, on jouait 4 à la guérite. C'est pas bien. Dans l'autorité de Côte d'Ivoire, vos gars de quoi là, mettez les os. Voilà. Les gens qui vous suivent là, entretenez-les bien. Parce que quand ça a commencé, c'est eux qui vont protéger. Voilà, c'est eux qui vont donner leur vie pour vous. Parce qu'ils disent, ah, le monsieur là, il est bien. Il est bien. Il est bien. Donc, on te sauve bien. Voilà. Voilà le père. Moi, mes amis, gendarme, j'étais à la résidence. Quand ça a commencé à se gâter là, quand ça commence à se gâter, c'est pas à faire le wawa. Voilà, quand ça commence à se gâter, je vous dis ça, c'est le secret, on dit pas, mais je vous dis ça. Quand ça commence à se gâter là, voilà. Les gens qui viennent et disent du conseil Babou, c'est les plantains. Ceux qui parlent et disent du conseil Babou, c'est les plantains. Voilà, ça c'est un truc qui n'est pas parlé. Voilà, il n'est pas passé à l'antenne ici. Voilà, quand ça commence à se gâter là, Babou a dit au gendarme, il a les petits secrets sur vous, avez été fidèle. Voilà, où c'est arrivé, c'est là gâté. Voilà. Déshabillez-vous et puis partez. Voilà, moi j'ai laissé eux ici. Voilà. Gbagbo, si me regarde, il sait que c'est qui la vérité. Le président Laurent Gbagbo, voilà, si me regarde, il sait que c'est qui la vérité. Il est petit. Voilà, c'est déjà gâté. Hein? Voilà, il sait que vous êtes tenu, vous êtes fidèle. Voilà. Mais déshabillez-vous et puis partez. Donc on a fait des déshabillés. Elle est ma classe. On a fait, j'en avais ensemble. On a rentré ensemble. Quand il s'est déshabillé, il a sauté clôture. Bah, il est tombé nez à nez un français. Un majeur comme ça. Mais comme le français l'a vu, que le jeune homme est en train de fuir, il n'a pas tiré sur lui, il a laissé fuir. Mais imagine, c'était un FSI. Bah, bah. Il a sauté clôture, il est tombé là-bas. Bah, il y a un français qui est là. Il a mis un comme ça. Mais quand il a vu le gars en train de se déshabiller, en train de fuir, il n'a même pas fait quelque chose. Il a laissé le gars fuir, parti. Voilà. Mais ces gens-là, c'est parce que, ouais, Babou était bien eux. Mais vous pensez que où il n'y avait pas d'issue. Mais ils allaient fuir. Voilà. C'est comme on y est. Prends ça qui balance. Voilà. Donc quand tu es bien avec tes éléments,
Ils te mettent zo jusqu'à la fin. Ils sont de mourir pour toi. Voilà. Sinon, le 11 avril là, le 11 avril là, je sais pas, le 10 avril là, c'était déjà gâté. Bagba a réuni les petits là, les gendarmes, les militaires, les petits. C'est gâté. Voilà. Ce que vous pouvez prendre, partez. Ce que vous pouvez prendre, partez. Mais là, c'est déjà gâté, vous ne pouvez rien. C'est plus l'affaire de temps en temps. C'est l'avion qui agit maintenant. C'est plus l'affaire de Boubou. C'est l'avion qui agit. Voilà. Il dit, moi, il sait comment il m'a sorti. Mais vous, là, partez. Parce que vous, on va vous tuer. Voilà. Ok, moi, il sait qu'on va pas me tuer. Bah ouais, dit ça, mes amis. On va pas vous tuer. Vous partez. Moi, on va me tuer. Mais vous, on peut vous tuer. Vous partez. Est-ce que vous savez, les gars, les gendarmes, là, les militaires, tous sont fuis. Donc, laissez un boubou. Parce que vous dit, hey, petit, partez. C'est gâté déjà. Partez. Voilà. Si il manque, Babou, il est là. Babou, il est en Belgique. Il va dire, ouais, moi, il dit la vérité. Voilà, c'est pas pour dire, oh, c'est mes camarades gendarmes qui étaient avec lui là-bas, qui ont fait le combat, qui ont dit, ah, le père, même moi, il est venu, il dit, hey, les petits, vous savez, voilà, là où on arrive là, voilà, c'est là gâté parce que les avions sont entrés en exergue, c'est là gâté. Voilà, je vais pas trop vous exposer ici, voilà, vous avez été fidèles, mais ce que je vais vous dire, déshabillez-vous, voilà, et quittez ma résidence. Voilà, moi, j'ai laissé ma famille ici, quittez les lieux, voilà, quittez là, quittez les lieux. Même vous pouvez voir, quand ça a commencé là, quand on a vu dans la vidéo là, on a vu qu'un seul corps de corps habillé, bon, lui c'est pas juste de quitter ou ça, dans la cour de Gbagbo là, voilà. Sinon, est-ce que vous avez vu beaucoup de corps habillé? Il n'y a pas beaucoup de corps habillé tombé qui était mort. À part un qui était dans la maison qui avait amené les cuisiniers, mais lui c'est qu'il l'a battu. Parce que quand tu vois la vidéo, le gars il sort, il a porté pantalon, jean, mais toi il est parti. Mais laisse la clash, il a la clash comme ça, il est en train de c'est qu'ils l'ont tué. Parce que quand il est vu, après il a pris papa, il sait qu'ils l'ont tué. Et les gens FSI l'ont tué dans la cour là-bas. Bon, il y a la vidéo sur YouTube, il n'y a pas envie de monter la vidéo, moi. Il n'y a pas envie de remonter ce qui s'est passé. Bon, ça c'est, on est dans une tour de réconciliation. Voilà, ce qui est passé est passé. Voilà. Donc c'est comme ça que Baba a dit aux gars, hey, les gars, le militaire est parti. Voilà. Donc comme moralité, que les soient les gens de Ouattara, les ministres de Ouattara, ou bien quoi là, les gendarmes qui sont avec vous, ou bien les policiers là, qui sont vos gars de quoi là. Voilà, ne traitez pas comme des chiens qui sont inutiles. Pour dire non que tu as déjà un salaire. Il a déjà un salaire, oui. Mais il travaille avec toi. Au moins, là, les petits risques, parce que là, quand ils volent ça, il faut donner un peu. Alors là, quand ça commence, là, il y a protection garantie. Il est né, mourir pour toi. Il s'en va au charbon avec toi. C'est comme ça. Voilà. Mais quand vous jouez les pingres là, et puis ça commence là. Vos propres gars de quoi, mais c'est eux qui vous font harakiri. Vous dites, oh, lui là, il était mauvais. Qui a le skate, moi, mourir pour lui, là. Et attend popo et même il saute pour dire ah, et fuit en même temps. Il est mort pour lui là. Lui même pour nous donner manger, mais c'est dur là. Il est mort pour lui. Non. Tant qu'on avait un temps popo, il dit ah, c'est occasion, champion, on a fui. Hein. Comment ça? Lui là, mort pour lui. Lui là. Méchant qui ne doit pas manger, lui, pas mourir pour lui. Quand vous laissez, piou, piou. Mais occasion, tu es bon, et lui là. Lui même, il est cherché. Patron, c'est gâté. Bon, c'est qu'en fait, on va chercher un coin pour fuir, pour te cacher. Et non, c'est pas. Et puis en plus, il est voilà, parce que tu es bien hein, eux. Parce que le patron il est bien eux, le ministre il est bien eux. Mais quand tu es pas bien eux, là, ils vont pas, hein, ils vont fuir pour te laisser mon frère. On va mourir pour l'homme qui va pleurer pour nous. On vient prendre quatre sur lui, appelle nous salut. Appelle nous donne une nourriture pour manger. Non, on s'est tué pour lui quoi. Parce que nous, vie c'est n'importe quoi. Nous, on n'a pas l'enfant quoi. Voilà. Donc quand les gens viennent prendre garde chez vous là, voilà, ne les prenez pas comme les chiens, des animaux. Voilà, c'est des pères de famille qui sont prêts à se sacrifier pour vous. Voilà. Bien vrai que c'est leur travail. Mais ils veulent conserver l'éthique. Sinon, ils sont pas obligés de vous protéger jusqu'à au détriment de la vie. Hein. Aïe. Et la vie, ils aiment la vie que vous vivez. Voilà. Mais comme c'est le boulot et c'est l'éthique, ils sont obligés de passer en ligne de front. Voilà. Donc ces gens-là, un point de respect pour eux. Et puis mettez-les bien dans l'art que vous prenez là. Voilà. Moi, je sais de quoi ils parlent. Voilà. Afin Christian, il n'est jamais vu depuis qu'il est né, il n'est jamais vu. Voilà. Il n'est jamais vu. Peut-être qu'il est vu, il ne sait pas où. Il ne sait pas, mais il n'est jamais vu. Voilà. Sinon, il y a Amani Christian. Il n'est plus garde sur lui. Aboudouman Sangalé, père son âme. Il n'est plus garde sur lui. Il y a un qu'on appelle René Amani. On appelle le ministre mauritanien. Il n'est plus garde sur lui aussi. Lui habitait vers l'ambassade de Côte d'Ivoire. Non, il habitait vers l'ambassade des États-Unis. Sa maison était coulée à l'ambassade des États-Unis, voilà. Il s'appelait René Amani, un ministre mauritanien là. Voilà, c'est un ministre clair. Après lui, c'est la maison de l'ami le gars là, Amani Nguessa. Donc tous ceux-là, on les connaît. Voilà, c'est les gars qui viennent prendre garde chez eux et tu vois comme les chiens. Même un petit bonjour, on te salue pas parce qu'on dit c'est ton travail.
C'est mon travail. Ok, il n'y a pas de problème. Tu ne me salues pas, tu me considères comme un chien. Ok, il n'y a pas de problème. Quand ça va commencer, tu vas te défendre. Parce que moi, je vais m'envoler. C'est fini. Non, la médicament, on va s'envoler. On s'envole. On va te laisser là. Voilà. Dans cette petite vidéo, il faut juste vous dire, voilà, autorité de Côte d'Ivoire, quand les gendarmes ou bien les corps habillés viennent prendre garde chez vous là, ne les traitez pas comme les chiens. Ce sont des humains qui sacrifient leur vie pour vous. Voilà. Ne dites pas que c'est leur travail. C'est pas leur travail. Ils sont pas obligés. T'as le maître là, lui, il va se mettre là. Lui, il est là. Quand ça va commencer, il va suivre. T'as fait quoi? Quand ça va commencer, il va suivre. Toi, t'as fait quoi? Ok, si tu le mets bien, il va te défendre. Et quand on parle, on dit l'un du contribuable. J'en avais payé l'un du contribuable. Mais toi, t'es payé l'un de quoi? Ah, t'es payé l'un de plutôt qu'on vend la Côte d'Ivoire avant là, quoi. Ah, ok. L'un de plutôt que la Côte d'Ivoire avant là, c'est pour tout le monde. Hein. C'est pas plutôt ton papa. Ah, donc tout le monde est payé avec l'argent du contribuable. Tout le monde est payé avec son propre argent parce qu'on cotise. Voilà. On paye les impôts. Ça veut dire ça, on nous paye. Donc quand vous dites, gendarme ou bien policier est payé avec l'argent du contribuable, on ne sait pas de quoi vous parlez. Voilà. Et c'est ceux qui sont bêtes qui débutent ces idées aussi. Voilà. C'est les gens qui ne sont pas intelligents qui débutent ces jeunes dessus. Donc quand tu es intelligent, tu n'as pas dit non, que tu es payé avec l'argent du contribuable. Mais toi, tu es payé avec quel argent? Toi qui es fonctionnaire d'État, tu es payé avec quel argent? Voilà. Ou bien un gars du privé, il peut me dire non, ah moi je suis payé. Avec, c'est mon patron qui me paye parce qu'il a son établissement, celui qui me paye. Toi, tu es fonctionnaire d'État, tu es payé avec quel argent? Avec l'argent du pétrole. C'est pour ton papa, pétrole, hein? C'est pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, mes frères, mes soeurs, samedi 4, appelez vos parents. Allô, allô. On ne reconnaît pas, il n'y a pas deux faits de liberté. À Zopé, il y a un meeting. Il n'y a pas une fête de liberté. Et le seul meeting là, c'est le meeting de Sam l'Africain. Voilà. Parce que lui, c'est un pro-Gbagbo. Bienvenue à son parti politique. Mais il joue dans l'esprit des Gbagbo. Donc lui, il est nous. C'est Gbagbo, on connaît. Les autres là, les turiféraires qui disent non, qu'eux ont fait de liberté là. C'est le faux, c'est le shintok. Parce qu'on ne fête pas anniversaire deux fois dans une année. Qui a fêté son anniversaire deux fois dans une année? Qui a vu ça où? Où tu as fêté anniversaire deux fois dans une année? Ça n'existe pas. Donc, c'est le faux. Ils sont dans le faux, parce qu'ils ne sont pas majoritaires. Car la logique voudrait que, si nous sommes dans la réalité, pourquoi les caciques, les barons du FPI ne sont pas avec vous? Voilà. Pourquoi les barons du FPI ne sont pas avec vous lors de vos fêtes? Parce que vous êtes dans le faux. Voilà. Mais pourquoi vous insistez à être dans le faux? Pourquoi vous agrippez? C'est parce que vous faites du jeu de Ouattara. Moi, j'avais dit ça dans une vidéo. J'avais dit non, les gars, n'en voulez pas Afi. On doit sauver Afi. Peut-être qu'il est contraint d'agir comme ça. Sinon, Afi est très intelligent, très intellectuel. Mais c'est qu'il est contraint. Moi, je sais qu'Afi est contraint d'agir comme ça. Pour pouvoir diviser, fragmenter le FPI. Afi est contraint. Sinon, Afi est trop intelligent. Attends, moi, c'est intelligent qu'Afi, quoi. Moi, c'est intelligent qu'Afi. Afi est intelligent, mais il est contraint. Il est contraint. Attends, le gars, il se fait de marquer ici ma page de mots, là. Attends, il attend ce commentaire, même. Il y a un gars qui s'est remarqué sur ma page là. C'est comment Coco le Mignon? Il y a un gars qui s'est remarqué sur ma page. Je ne sais pas c'est qui ça. On parle de lui depuis ce moment. On parle de lui. Il parle de qui? Attends. Bon, ça a marqué super fan. J'étais là encore. Si vous voyez un commentaire bizarre, il te bloque. On était un super fan de ma page. J'étais là. C'est comment Alex Zaté? Ouais. Il a fait de la liberté aussi à Paris ici. C'est où ça? On est devant l'ambassade de l'Union Européenne. Ouais, je sais pas quoi là. Le 4 aussi. Tout ça, c'est fait. Voilà. Allez là-bas. Et moi, je dis même, pourquoi là, il ne va pas là-bas? Oui, il ne va pas là-bas. Moi, mon travail, c'est fait vidéo ici. Moi, il ne sait pas marcher. Moi, c'est aller à la haie. En cas de cas, c'est 50 euros. Moi, il paye pour aller à la haie. Sinon, vos petits matchs d'ici, moi, c'est pendant ça. Voilà, moi, mes déplaces de pays en pays, chacun son travail. Voilà. Donc, ceux qui m'ont dit non, dessin animé, on t'a jamais vu dans marche, on t'a jamais vu dans meeting, chacun a son rôle. Chacun a son rôle dans cette lutte-là. Voilà. Moi, je ne suis pas élément de quelqu'un. Je suis moi mon propre patron. Voilà. Chacun a son rôle. Moi, dites qu'à 50 euros, il y a pays parti. Voilà. Il y a 50 euros, je suis seul. Tiens, moi, je suis
Ils ont volé mes 50 euros. Non, mes 50 euros ici. Au calme. 50 euros. Il n'est pas dans la haie, ça. Au calme. Dites à convoi là, moi je vais à la haie. Sinon, on va appeler les marches. Non, non, il ne sait pas dans ça. Chacun a son rôle. Moi, il fait vidéo ici. Et du coup, ce gars-là. Blé Babo, on a déjà fêté, il n'y a plus rien. Lui, il n'y a plus de fête. Juste aller soutenir Sam l'Africain. Lui, ça fait un meeting. Voilà. Pour expliquer. Pour expliquer. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'il doit expliquer, mais il va expliquer, c'est tout. A te voir sur la ligne, Sam l'Africain. Sam l'Africain, Sam l'Africain, Sam l'Africain. Jichi Cham, Jichi. Jichi Cham. Jichi Cham. Jichi. Jichi. Ah, il est en ligne. Il est en ligne. Jichi, 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 Jichi. Ah là, Jichi, 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 Jichi. Jichi Cham. Bon, c'est pas si occupé, hein. Même les là. Oh. Bon, il dort. Un gars comme il sait qu'il parle de moi. Il dit, tu es très nul. Je vous ai dit champion, voilà. A fait les vidéos là. Montrez-moi. Lui qui a eu coupe du Champions League dans la vidéo là. Montrez-moi. Voilà. Si vous me montrez la personne qui a eu coupe du Champions League dans la vidéo, ça va moi m'encourager à être fort. Mais s'il n'y a pas coupe, vous ne montrez pas quelqu'un qui a eu coupe dans la vidéo. Mais à quoi ça sert? Vous me dites que c'est nul. Parce qu'on ne peut pas nous évaluer. Qui a évalué qui? C'est comme les gens, ils viennent sur Facebook, ils font. Non, toi tu as fait ça, l'autre fait classe. Facebook, c'est pas tribunal. Voilà, c'est pas tribunal. Donc, si c'est le moro, on ensemble. Chao, faut pas 50 euros va te donner crise cardiaque. Même Blé Babo, on fait comment? Il faut m'appeler, hein, il se met bien ou bien. Comment ce n'est pas un gosse? Donc demain il fait la dernière vidéo sur Sam l'Africain. Voilà. Si il a fini ça, on doit faire barrage à finir ça. Il dit bien barrage à finir ça. Barrage à. Mettez croix sur lui. Il n'est pas de. Mettez croix. C'est pas un FPI. Aïe. Ah oui, c'est pas un FPI. Il sait le diable. Mettez croix sur lui. Sam l'Africain, il fait le meeting de Laurent Gbagbo. La preuve en est. Les gens qui ont fait vidéo. Non, Sam l'Africain. Témoin à charge. Lui, témoin à charge. Dans la forme. Mais dans le fond, il a réagi comme un témoin à décharge. Voilà, c'est ça qui n'importe. Voilà. Et ce que vous ne comprenez pas, il a été contraint, lui, il a été contraint d'aller témoigner. Il y a beaucoup de gens qui ont été contraints d'aller témoigner. Voilà. Moi aussi, j'ai fait. Les gens qui ont été contraints d'aller témoigner. Les gens m'ont dit que ce sont les traîtres. Non, ce n'est pas les traîtres parce que vous n'avez pas vécu la guerre. J'ai fait un big up ici au général Detto Letto. Voilà. Parce qu'il a dit un truc que je n'ai pas dit ici. Mais quand il a dit ça, il dit, ah, bon, là, il n'a pas vu appuyer le président. Voilà, c'est que vraiment, il était contraint. Voyez ce qu'il dit là. Moi, il était à Boubou, et puis il a dit ça. Dites-le tout, il n'a pas trahi Babou. Il était contraint. Voilà. Donc, on ne sait pas de quoi parle l'auteur. On ferme la gueule. Oh. Bon, les gars. Ensemble, on se laisse. Ciao, ciao. Bonne fête à tous et à toutes. De votre position initiale.